Yes, les gens, c'est moi, SBL. SBL DVID. SBL alias le super et le best Linuxien. Comme d'habitude, ne vous posez plus la question, s'il vous plaît. Donc, là, je suis sur Manjaro 20. La dernière version. Bon, je vais dire officielle, mais bon, je mets ça entre parenthèses. Donc, Manjaro 20 XFCE. Donc je l'ai installé depuis hier soir. Donc là je suis sur mon PC de bureau, je ne suis pas sur mon ordinateur portable. J'ai installé en gestionnaire de fichiers explorateur, j'ai installé donc Dolphin. Parce qu'apparemment avec Thunar, apparemment ça ne veut pas m'afficher. Mais aperçus de vidéo alors que ça marchait très bien sur la version 18, mais bon, je vais recontrôler ceci parce que sur ma clé USB auquel c'est ce même Linux que j'ai installé, bien entendu je n'ai pas cloné du tout, j'ai installé les deux séparément. D'habitude je fais une image disque et je la transfère soit sur la clé ou soit sur le disque dur. Bref, donc j'ai mis Dolphin. Et j'ai ajouté le fameux plugin qui permet de faire voir l'aperçu des vidéos. Parce que par défaut, ça n'y est pas. Bon, aller chercher et comprendre pourquoi, comment, j'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de ceux qui font ça. En tout cas, ça ne me paraît pas logique. Pourquoi ne verrait-on pas l'aperçu de ces vidéos? Il est bien entendu que tout le monde veut voir l'aperçu de ces vidéos. Ça me paraît un peu logique. Certes, tout le monde ne se rappelle pas du titre, mais quand on voit l'aperçu des vidéos, bah, on se rappelle quand même de ce que c'est. Bon, bref, des fois, faut pas chercher avec Linux, hein. Donc là, je suis sur Dolphin et j'ai remarqué une petite chose. Donc là, je suis dans mon dossier document ici. Je vais faire un copier-coller sur le bureau de ces deux choses-là. Ce sont mes sauvegardes favoris Firefox et Chrome, il me semble bien, ouais. Donc je veux faire un copier-coller. Donc là, je suis tout seul sur le PC. Il n'y a personne d'autre. Je suis en tant qu'administrateur puisque il n'y a que moi. Je n'ai rien fait pour que, voilà. Je veux faire un copier-coller de ça. Donc, copier. Je vais coller sur le bureau. Je ne peux pas. Bon. Qu'on m'explique pourquoi. Ça marchait très bien sur la version Manjaro 18 avec Thunar. Donc je précise avec Thunar et non pas avec Dolphin. Et là, avec Dolphin, je ne peux pas. Je ne sais même pas si on peut avec Dolphin. Thunar, par exemple. Pardon. Là, je suis avec Dolphin. On ne peut pas. Bon, si quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui est la logique de ceci, je ne vois pas du tout la logique. Au contraire, ce n'est pas logique du tout. Pourquoi je ne peux pas? Ce sont mes fichiers, pourquoi je ne peux pas faire un copier-coller sur le bureau? Bon, déjà, c'est un hic. Est-ce qu'il y a une manip à faire? Je pense que oui, mais ça ne me paraît pas logique du tout. Bon, on va oublier. Je vais quand même faire copier. Je vais quand même ouvrir le bureau en mode super utilisateur. Je ne peux toujours pas coller. Bon. Allez comprendre pourquoi. Et pourtant, je suis en mode super user. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Linux, Manjaro? Que vous arrive-t-il? Bon. Pourtant, la version 20 doit être normalement améliorée. Bon. C'est encore un hic, peut-être. Maintenant, comme je vous dis, est-ce que c'est du fait que je suis avec le gestionnaire de fichiers Dolphin et non pas Thunar? On peut se poser la question. Faudra que j'essaye. Bref. Donc je ferme. Maintenant, ce que je fais glisser les deux. Hop, ça marche. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette logique? Copier-coller, ça marche pas. Je fais glisser, ça marche. Je m'excuse, je ne suis pas développeur, je suis pas informaticien, mais il y a quand même des choses qui sont pas très logiques, qui me paraissent logiques et pas logiques du tout. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi. Je fais un glisser-déposer, ça m'accepte.
Et là, ça ne veut pas copier-coller. Bon, si quelqu'un a la réponse, je veux bien. Mais pour l'instant, techniquement, je ne sais pas. Un peu bizarre, hein, quand même, hein. Alors maintenant, je vais les reclaquer dans... Dans le dossier document. Déplacer ici. Oui, ça marche. Bon. Alléluia, ça marche. Mais c'est encore quelque chose de... Bon, logique et à moitié pas logique. Bref, par rapport à ce qu'on vient de voir, hein, quand je dis ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un copier-coller autre part. On verra bien si ça marche. Copier. Musique. Ça marche. Bon. Un peu bizarre quand même, hein? Très bizarre même. C'est même pas un peu, c'est très bizarre. Copier-coller. Je retourne dans Documents. Ils sont bien là. Ok. Bon, c'est même pas la peine que j'essaye avec Thunard. Parce que je pense que ça va marcher. Enfin, je pense hein, que ça va marcher avec Thunard. Là, je suis avec Dolphin. Alors, si quelqu'un a une explication là-dessus, est-ce que c'est un bug ou pas? J'en sais rien. Je voudrais bien quand même essayer avec, avec Thunard. Alors, ce que je fais, je vais remettre l'explorateur de fichiers Thunard à la place de Dolphin. Et je vais essayer ceci. Donc, je mets en pause. Vous pouvez vous baser par rapport à l'heure hein, et la date. Donc je vais vous faire montrer comment changer l'explorateur de fichiers par défaut, on va dire Explorer, qui vaut à Windows, l'explorateur de Windows. Donc vous allez, je vais recommencer, vous allez ici, menu démarrer, vous cliquez ici sur les paramètres, vous allez dans application favorite. Et ici vous avez utilitaire. Et c'est ici qu'on change gestionnaire de fichiers. Ils l'ont mis là, hein, donc si vous ne savez pas, ils l'ont mis là. Et c'est là que vous choisissez. Donc maintenant, je vais remettre sur Thunard. Donc il n'y a pas besoin de valider, normalement c'est bon. Fermé. Si j'ouvre... Je suis bien avec Thunard. Je suis bien Thunard ici, donc je vais dans Documents. Donc je fais la même chose, mais avec Thunard, qui est un autre logiciel entre parenthèses, explorateur de fichiers. Donc j'avais dit copier-coller. Est-ce que ça marche? Copier-coller. Bon, si quelqu'un peut m'expliquer cette logique un peu bizarroïde, ben je veux bien. Alors maintenant, est-ce que ça vient de l'explorateur de fichiers? Ben, j'en conclus que oui. Maintenant, pourquoi par défaut sur Dolphin, ça ne le fait pas, ce qui n'est pas logique? Parce que vous avez vu, je prends les éléments et je les glisse. C'est pas logique du tout. Bon. Alors, est-ce qu'il y a un problème de paramètres dans leur codage, etc. J'en sais rien. Maintenant, si vous trouvez que c'est pas normal, eh bien, si quelqu'un veut faire remonter l'information, eh bien, qu'il ne se gêne pas. Alors maintenant, je vais aller donc ici. Je vais aller dans vidéo. Bon, là, je vois l'aperçu de mes vidéos. Alors qu'il me semblait bien que sur... Ma clé USB avec Thunard,
me semblait bien que je ne voyais pas. Mais là, j'ai un petit doute parce que. Parce que je ne me rappelle plus en fin de compte. Mais là, on le voit bien, vous voyez, MP4. Alors, il faudra que je contrôle sur ma clé USB. Parce que justement, il me semble bien que c'est pour ça que j'ai mis. En fin de compte, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bref, je vais contrôler et je vais regarder. Mais en tout cas, bon, voilà, on va s'en maintenir à ça. Pour moi, c'est pas logique que je puisse faire ceci et qu'avec Dolphin, je ne peux pas faire un copier-coller. Et même en tant que super user. Donc, si quelqu'un éventuellement a la solution ou vous avez compris ma question. Si, je me rappelle pourquoi j'avais installé Dolphin. Ça m'a fait tilt. C'était à cause de quand vous explorez votre smartphone, la micro SD, eh bien, c'est une boucherie avec Thunar. C'est-à-dire que c'est très long et c'est à se tirer les cheveux. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui se passe. Mais, je vais quand même contrôler ceci. Mais en tout cas, j'ai testé sur mon PC portable et c'est le jour et la nuit. Donc j'ai fait une vidéo à ce propos-là. Si vous avez ce même souci, c'est très long et voire ça met trois plombes à explorer le contenu de votre micro SIM carte SD dans les smartphones. Eh bien, ne cherchez pas. Moi, j'ai installé donc Dolphin et tout va bien. C'est le jour et la nuit, hein. Donc je vais quand même contrôler ceci. Sur ce PC. Parce que j'ai testé ceci sur mon PC portable, mais je n'ai pas testé là-dessus. Mais à mon avis, c'est pareil. Donc c'est pour ça que j'avais installé donc Dolphin. Donc je confirme que c'est bien Thunar sur ce PC, donc mon PC fixe, ma tour. Ça fait la même chose que sur mon PC portable. Donc Thunar met 3 heures à explorer la carte mémoire de mon smartphone.